Je m'appelle Marion, j'adore l'Inde et je suis venue faire un stage ici pour animer un club journalisme. Je suis étudiante à Rennes en France en communication. J'avais plusieurs contacts en Inde et en France, par exemple l'ONG INDP qui faisait un projet de construction de maisons pour les Naricoaba que je ne connaissais pas du tout. Et ensuite il y a le Conseil général des Côtes d'Armor en France qui a aussi cofinancé l'action. Je me suis dit que je pourrais un peu mettre en lien ce partenaire-là et mon université, créer un projet en fait avec les lycéens, un projet de reportage journalistique, parce que comme je fais des études en communication, j'ai les bases en journalisme. Et donc faire un reportage journalistique sur cette action de construction de maison avec les élèves du lycée français. Donc les Naricoaba en fait sont des membres d'une tribu présente dans le Tamil Nadu. Leur nom étymologiquement signifie chasseurs de renards car leur particularité réside dans le fait qu'ils sont chasseurs-cueilleurs. Donc après avoir été déracinés de leur terre, ils sont devenus nomades, donc on les appelle aussi les gypsies. Et ils ont vécu de mendicité, de petits commerces locaux jusqu'à ce que l'initiative de construction de maisons soit mise en place sur le site de l'Aspet. Donc on peut dire qu'ils ont une culture et des traditions particulières. Ils ont aussi un langage unique et ils vivent en marge de la société. Les Naricoaba ne peuvent pas s'intégrer dans la société parce que à cause de leur métier et leur habitude, leur tradition. Les métiers de Naricoaba, c'est éleveur de cochons et notre, ils sont chasseurs et puis l'autre, fabriquer les perles, la fabrication de colliers avec les perles. Ils n'étaient pas hygiéniques, ils étaient un peu sales quoi. Ils avaient un mode de vie vraiment différent que nous. Ben voilà. Ils nous ressemblaient pas du tout quoi. Ben en fait, vu que j'ai interviewé les jeunes et tout, quand je leur posais des questions sur leur habitat et tout, ils n'ont pas compris grand chose quoi. C'est pas qu'ils comprenaient pas mes questions, ils savaient pas d'où ils venaient, enfin, c'est qui leur a construit les maisons et tout. Et quand je leur posais des questions sur leur passé et tout, ils savaient pas non plus parce que. À ce qui paraît, ils étaient dans cette tribu-là depuis qu'ils étaient nés, donc ils ne savaient pas grand-chose. Oui, comme c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, donc je croyais qu'on allait tout. Qu'ils n'allaient pas nous accepter. Mais en fait, tout s'est bien passé. Ils ont tous été très accueillants, chaleureux. Là, c'est un type de question où il n'y a pas de jugement. Mais quand même. C'est un petit On n'a jamais entendu parler. Bah, moi, personnellement, j'ai été animatrice dans un centre de loisirs organisé par le lycée français. Et on a été envoyé dans une école qui éduquait, on va dire, les enfants Naricoaba. Donc j'ai déjà été en contact avec eux et on va dire que c'était pas très facile. Donc quand on m'a dit qu'on allait entrer en contact cette fois avec des adultes, ça m'a un peu fait peur. J'ai cru qu'on aurait eu les mêmes difficultés de communication, etc. Mais bon, ça s'est bien passé. Ils ont été accueillants, ils ont été chaleureux. Il n'y a pas eu de soucis. Ils ont voulu répondre à nos questions sans contredire. Ils ont voulu poser pour nos photos et tout ça. C'est très différent. On ne peut pas comparer notre vie à la leur. Quoi. Ils ne mangent pas la même chose, on ne vit pas de chasse et tout ça. Donc ouais, ça change d'aller les voir.
qui vont s'adapter à l'autre petit à petit avec des changements au cours du temps. Parce que la nouvelle génération, ils ont déjà commencé, ils partent à l'école et tout, et ils commencent à utiliser les nouvelles maisons et tout. Mais en tout cas, ils ont tous été motivés pour faire le club, donc ils sont tous venus le vendredi et depuis, tous les vendredis, on travaille sur les différents genres journalistiques, différentes manières de faire un reportage journalistique, l'interview, le portrait et le sujet principal qui est le reportage auprès des Nari Kouravar, donc les sorties pour découvrir le peuple, les sorties pour les interviewer et ensuite pour réaliser les articles. Le sujet quand même est pas simple, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment une tribu s'adapte à un environnement, un nouvel environnement. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour aller rencontrer ces peuples. Il faut pas avoir trop de jugement. Quand on l'a proposé, on a tous voulu l'essayer. Et maintenant, on est tous satisfaits, on aime bien. Et on passe de très bons moments avec Marion, avec les élèves et tout. Donc, c'est quelque chose de bien, on aime bien. Le club permet les élèves de bien comprendre et découvrir l'éducation civique et la vie sociale. Parce que les élèves de lycée français, ils s'intègrent pas dans la société ici. Par le club, il faut comprendre les élèves indiens, les élèves de l'école indienne. Bah écoutez, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée quand j'ai rencontré sa responsable et voilà pourquoi je l'ai aidé à mettre tout ça un peu en place. Je trouve que c'est très bien pour les élèves parce que ça leur apprend beaucoup de choses. Ça leur apprend, fait découvrir un petit peu le métier journalisme et puis d'un point de vue scolaire, ça leur permet de travailler le français, l'expression orale, l'expression écrite, de découvrir également d'autres horizons que ce qu'ils, que leur quotidien au lycée français en fait. Ce sont des sorties, ce sont des rencontres avec des gens différents de ce qu'ils côtoient tous les jours. Donc voilà, c'est beaucoup de perspectives. On a appris beaucoup de choses, on a fait des sorties et tout. C'était intéressant, quoi. On a commencé à bien s'exprimer, à voir de nouveaux gens et connaître leur culture. On a appris plus de choses sur leur vie parce que moi, personnellement, j'ignorais leur existence avant tout ça. Donc, on a découvert un nouveau peuple. Et, on a appris comment on peut écrire les articles, la composition d'un article, etc. J'ai découvert un peuple en même temps que les élèves. Donc j'ai découvert un mode de vie, j'ai été choquée, j'ai été surprise, j'ai été agréablement surprise de l'accueil qu'ils nous ont réservé, des échanges qu'on a pu faire. Bon, bah moi, ne parlant pas tamoul, c'était un peu difficile, mais les élèves ont bien expliqué tout ça. Donc ouais, surtout la rencontre. La rencontre avec le peuple et puis aussi la rencontre avec une classe. C'est la première fois que j'anime un club, que je donne des cours et tout ça. Donc c'est un apport personnel pour moi, pas que pour les élèves finalement. Et du coup, oui, c'est ça aussi que je retiens. Et puis l'Inde, c'est un pays que j'aime beaucoup et que je suis jamais déçue en fait. Puis je remercie surtout les élèves aussi de s'être impliqués en fait, hein, parce que sans les élèves, moi je pouvais rien faire quoi. Donc, voilà. Daddy.
Gay!